Alors ici, donc, on est à la conférence de presse de l'annonce du prochain invité de l'ATK Invite, qui est un événement qu'on organise depuis 2 ans maintenant, mais pendant lequel on invite, comme son nom l'indique, une personnalité phare du cinéma, en général un acteur ou une actrice, pour revenir avec elle plus en détail sur sa carrière, le temps d'un week-end entier à Aix-les-Bains, notamment à travers des projections de films, ou masterclass, ou rencontres de signature notamment. L'ADCAC a un acronyme un peu spécifique qui veut dire Association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains, qui est une association qu'on a créée il y a 2 ans maintenant pour la création précisément de ces événements-là et l'organisation des événements l'ADCAC invite. Alors là, donc, la prochaine édition sera consacrée à Clovis Cornillac, qui est un acteur, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment fait partie de ces acteurs caméléons qui sont illustrés aussi bien dans des grands films d'action, je pense à Chevalier du Ciel ou Scorpion, que des comédies grand public, on pense forcément à Brise de Nice, et donc là pendant cette édition là on va pouvoir l'accueillir avec cette spécificité qu'il a d'être à la fois acteur mais aussi réalisateur. Pour la première fois avec cette 4e édition l'ADK invite Clovis Cornillac, nous allons mettre en amont des temps nouveaux, notamment une exposition photo autour de ces films tournés en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui aura lieu une semaine et demie en avance, donc le mercredi 20 septembre jusqu'au dimanche 1er octobre, date de fin de cette 4e édition de l'ADK invite. Mais aussi on va mettre en place une projection supplémentaire le mercredi 27, donc avant la venue de Clovis Cornillac, qui sera une sorte de mise en bouche avant la venue de Clovis Cornillac autour du film Les Chevaliers du Ciel, qui aura lieu le mercredi donc 27 juillet à 20h au cinéma Victoria, et la séance sera présentée par l'ADK. On a eu la chance d'avoir des invités, que ce soit Patrick Chenet, Horatica, Gérard Lanvin, qui étaient extrêmement généreux et qui nous ont impressionnés de par leur simplicité pendant les éditions précédentes, et là tout s'annonce pour être dans le même état d'esprit pour Clovis Cornillac les samedis 30 septembre et dimanche 1er octobre prochain.